Salut les gars, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plus d'une dizaine d'opportunités de logement à Gex. Gex, où c'est? C'est tout simplement à la frontière suisse, à la frontière de Genève. C'est à la frontière qui est également proche de Lausanne. Donc c'est vraiment la ville avec Divonne-les-Bains qui va être entre Lausanne et Genève. Et donc en étant ici, tu as l'opportunité de travailler où tu veux, sur Genève, sur l'aéroport de Genève, tu es juste à côté, sur le centre-ville de Genève, tu es juste à côté, sur Lausanne, tu es pas très loin par l'autoroute. Alors évidemment, Lausanne, c'est toujours beaucoup plus loin que Genève, mais dans tous les cas, moi personnellement, je vais travailler sur l'autoroute qui est entre Genève et Lausanne, donc je serai idéalement placé à Gex. Donc je vais te partager mes opportunités de logement avec les cris d'un bébé derrière, c'est normal, je suis en vacances chez ma mère qui, elle, n'est pas en vacances pour Noël malheureusement. Donc, tu m'excuseras pour ces petits désagréments auditifs. Alors, on va attaquer avec le logement le plus cher et également un des plus grands que j'ai trouvé à Gex. Ça va être un 42 mètres carrés pour 799 euros de loyer. Alors, oui, 799 euros de loyer, 800 euros de loyer, c'est énorme. Mais si tu compares ça avec les loyers que j'ai pu te présenter dans la vidéo de la semaine dernière sur Divonne-les-Bains, où on avait du 32 mètres carrés pour 990 euros. Eh bien en fait, 42 mètres carrés pour 799 euros, c'est plutôt intéressant. Alors évidemment, j'ai mieux que ça à te proposer dans cette vidéo, j'ai plus grand et moins cher, mais c'est déjà beaucoup plus raisonnable par rapport à Divonne, où là vraiment c'est totalement inaccessible. 42 mètres carrés, 799 euros. Sinon, tu perds 2 mètres carrés, tu passes à 40 mètres carrés, 774 euros. 43 mètres carrés, 775 euros. 47 mètres carrés, ça va être le plus grand logement que j'ai à te présenter. Pas le meilleur rapport qualité-prix, mais un des plus grands. À 47 mètres carrés pour 760 euros. Donc là, 760 euros, oui, ça te paraît peut-être énorme. Ma mère, pour 750 euros, loue cette maison avec un étage, un rez-de-chaussée, un sous-sol, un garage, un jardin devant et derrière, et voilà, du parking tout autour à volonté parce qu'on est à la campagne. Donc oui, ça paraît énorme de payer 760 euros pour un appartement de 47 mètres carrés, où je ne pense même pas qu'il y ait une place de parking, mais à Gex, donc près de Divonne-les-Bains, qui est une des villes les plus chères à la frontière, qui est la ville la plus chère à la frontière de Genève et de Lausanne, c'est déjà beaucoup plus accessible et beaucoup plus raisonnable. Donc, j'en étais aux 47 mètres carrés pour 760 euros, 43 mètres carrés pour 745 euros, on descend un peu par un peu. Ensuite, vraiment, on va perdre de la surface. On va passer à 32 mètres carrés. Donc là, on est vraiment sur un petit deux pièces ou un grand studio. 32 mètres carrés pour 732 euros. Alors évidemment, quand on est deux, ça va. 732 euros pour deux personnes, ça fait quoi? Ça fait 365 euros par personne. Ça n'est pas énorme, 366 euros. Oui, voilà, donc c'est pas énorme. Mais dans tous les cas, 32 mètres carrés pour 730 euros, ça paraît extrêmement cher. Oui, à la frontière, il y a moyen de trouver beaucoup moins cher. Oui, si tu veux habiter sur Annemasse, je te présenterai des appartements à partir de 420 euros dans quelques semaines. Mais voilà, si tu veux habiter du côté de Gex, Divonne-les-Bains, faire vraiment partie des gens qui sont bien placés et avoir également un cadre de vie, une qualité de vie, pouvoir sortir le soir en pleine sécurité, c'est vraiment un endroit parfait. Si tu veux habiter à Annemasse, c'est des contraintes, c'est du stress inutile, c'est le fait d'avoir toujours un couteau ou une lacrymo dans sa poche, c'est pas forcément très agréable au quotidien. Si tu es une femme, alors il y a une très petite part de mon public, il y a 12% de mon public qui sont des femmes, mais je pense à vous. Si vous venez habiter seul, ce qui m'étonnerait, mais si jamais c'est le cas, n'habitez pas à Annemasse. Vous ne pourrez pas sortir de chez vous voilà, après 19h. Donc ça peut être intéressant dans ce cas-là de mettre un petit peu plus et d'habiter sur Divonne, sur Gex ou sur Douvaine par exemple. Ça peut être intéressant. Mais Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois, il va falloir éviter. Il y a pas mal de crimes de personnes qui se font poignarder, égorger ou autre. Il faut vraiment viser des endroits plus sécuritaires quand on est voilà, un petit peu vulnérable, disons. Donc Gex, j'en étais aux 32 mètres carrés à 732 euros. 31 mètres carrés, 725 euros. Et là, on va avoir à peu près, je pense, le meilleur rapport qualité-prix pour quelqu'un qui voudrait un assez grand appartement pour un budget raisonnable, évidemment, pour la région. On va être sur un 45 mètres carrés pour 720 euros. Je rappelle que le premier dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'était un 42 mètres carrés, donc un peu plus petit pour 799 euros. Là, on a un 45 mètres carrés pour 720 euros. Mais d'après moi, la meilleure opportunité, le meilleur rapport qualité-prix, ça va être le 42 mètres carrés pour 690 euros.
Là, on a vraiment un appartement assez grand. Alors, malheureusement, je ne vais peut-être pas vous le laisser parce que c'est celui qui m'intéresse le plus et je vais très rapidement postuler, donc contacter le propriétaire ou l'agence pour essayer d'avoir cet appartement. Mais là, un 42 mètres carrés pour 690 euros. Il faut savoir qu'actuellement, j'ai trouvé une très bonne opportunité déjà et j'habite à Vigy-Foncenay avec ma copine dans une colocation pour 650 euros. Et c'était déjà énorme de trouver cette opportunité parce que je suis passé par Roomlala, par un site vraiment de particulier à particulier pour de la colocation, de la sous-location même, etc., etc. Mais là, 42 mètres carrés pour 690 euros, on est vraiment sur une des meilleures opportunités de cette ville. Donc je vais essayer de la saisir, mais si jamais, voilà, je vous le partage simplement pour que vous ayez idée de ce qui peut se trouver. Et si jamais au moment où vous regardez les annonces, vous ne trouvez rien dans cet ordre de prix-là, c'est peut-être qu'il vaudra mieux regarder dans quelques semaines quand d'autres annonces auront été publiées. Donc 42 mètres carrés pour 690 euros, je le répète, mais c'est une très bonne opportunité. Et il me reste deux autres logements à vous présenter à des prix encore plus raisonnables. On a un 29 mètres carrés pour 670 euros et un 23 mètres carrés pour 620 euros également sur Gex. C'est donc pour ça que j'ai mis dans la miniature de cette vidéo 620 euros. C'est parce que oui, ça se trouve, oui, il y a un logement à 620 euros à Gex, mais évidemment, ça n'est pas monnaie courante. Donc si jamais tu regardes les annonces et que tu trouves un appartement individuel à ce prix-là, saute dessus immédiatement. C'est une opportunité en or. Donc voilà, pour cette vidéo, on a des logements qui vont donc de 620 à 799 euros parce que j'ai mis comme filtre de chercher des appartements à moins de 800 euros, sinon à 900, 1000, 1200, 1500, 2000 euros par mois. Tu as évidemment beaucoup plus de choix, mais dans un budget raisonnable pour quelqu'un qui emménage à la frontière, déjà mettre 799 euros de loyer avant d'avoir un salaire suisse, ça fait un petit peu mal. Donc voilà pour ce que l'on peut trouver à la frontière du côté de Gex. Évidemment, Divonne-les-Bains et Gex, ce sont les deux villes les plus chères qu'il y a à la frontière. Je vais donc, à partir de la prochaine vidéo, à partir de la vidéo qui sortira donc mercredi prochain, également à 15h, n'oublie pas d'activer les notifications pour ne pas la rater. Je vais te présenter des appartements qui seront en dessous de 500 euros, en tout cas qui seront à partir de 500 euros pour Douvaine, Saint-Julien en Genevois. On va même être à 480 euros, mais il y a le budget lacrymo à prévoir, donc voilà, il faut y penser. Ensuite, on a Annemasse, on va pouvoir trouver des apparts à 420, 436, 450 euros. Évidemment, tu peux aussi trouver des plus de 40 mètres carrés à plus de 700 euros, mais sur des petits studios, des petits 20 mètres carrés, tu peux trouver du 420 euros. Et ensuite, je te parlerai de Bonneville, où c'est vraiment le moins cher, où tu peux trouver à partir de 410 euros en étant proche de la frontière. Et dans les deux dernières vidéos, je te ferai une vidéo dans les montagnes, une vidéo pour les logements vraiment dans les montagnes, où tu auras des petits studios cabines à une demi-heure, 40 minutes de Genève. 40 minutes donc de la frontière suisse, où tu vas avoir des logements à partir de 325 euros. Mais là, tu vas vraiment avoir des petits studios, j'ai pas envie de dire insalubres, mais on est presque là-dedans, mal isolés pour 325 euros. Tu vas dépenser au moins 80 balles de chauffage, mais ça te fait un logement à 400 euros si tu es tout seul, toute seule. Ça peut être pas mal pour commencer, pour avoir une adresse à la frontière. Donc reste bien connecté. N'oublie pas de t'abonner. Plus de 88%. Non, plus de. On est quoi? On est 22. Plus de 78% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc c'est très dommage. Hein, ça me ferait très plaisir que vous soyez abonnés, que vous rejoigniez le groupe Telegram. On est déjà plus de 110. On est 114. Au moment où je te tourne cette vidéo, on est fin décembre. On est 114 sur le groupe Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre. Vraiment, ça parle tous les jours, ça se partage des informations d'une valeur énorme. Je te remercie en tout cas d'être là sur la chaîne YouTube et n'hésite pas à venir profiter du groupe Telegram, c'est totalement gratuit. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!